Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne année 2022. En tout cas, au niveau du cinéma, on n'était pas trop mal sur cette année-là, même si ce n'est pas la meilleure. Mais justement, on va parler pour moi, me concernant, un avis encore totalement subjectif, de mon top 5 des gros films, des gros blockbusters qui sont sortis au cinéma et que j'ai pu voir en salle. On va lancer immédiatement la vidéo. Et puis surtout, restez bien jusqu'à la fin, puisqu'on parlera également des films qui sont sortis sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, d'autres films aussi en 2022 qui sont sortis au cinéma, qui m'ont peut-être un peu moins marqué, mais qui sont des très bons films à voir. Donc restez bien à la fin de la vidéo, puisqu'on en parlera à la fin. Et puis là, on lance tout de suite mon top 5 de 2022. Alors en numéro 5, pour moi, c'est le film Uncharted, donc avec Tom Holland et Mark Wahlberg. Donc, film tiré des jeux éponymes Uncharted, saga que j'ai adoré sur PlayStation. Et je trouve que c'est pas comment dire, un grand film, quoi. Je veux dire, au niveau de la réalisation, au niveau de tout ça, c'est pas le film qui va marquer, effectivement, l'année 2022. Mais je l'ai trouvé tellement proche du jeu et tellement respectueux du jeu que j'ai passé un super moment en salle. Et je trouve que c'était vraiment un film à la Indiana Jones, un peu plus moderne, matinée de jeux vidéo, et que ça suivait vraiment la trame de Uncharted 3 principalement, et qu'ils ont vraiment fait du super boulot sur ce film. Tom Holland, je trouve que c'est un bon acteur qui monte un petit peu dans le métier de plus en plus, et franchement, Mark Wahlberg tombe bien le rôle de Sully. Et pour moi, c'était une bonne surprise de l'année 2022, même s'il a été maintes fois repoussé à cause du Covid. Et franchement, voilà, moi, il est dans mon top 5, c'est le numéro 5 de mon top. J'ai vraiment, vraiment bien kiffé ce film. D'après ton frère, il manquait une pièce au puzzle. Tu connais mon frère Sam? T'imagines pas avec qui t'es associé. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Au vainqueur, le putain. Comment ils vont les sortir de là? Ensuite, en quatrième position, moi j'ai placé Avatar 2, La Voix de l'eau. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Encore une fois, je vous inviterai à aller voir ma critique sur ma chaîne. J'explique vraiment tout en détail pour vous faire un petit résumé. J'adore la technique, je trouve que c'est impressionnant. Ça a 10 ans d'avance. James Cameron a envoyé du lourd au niveau de la technique. Même si je suis pas du tout fan du HFR en 48 images secondes, ça m'a vraiment sorti du film. Mais je trouve que voilà, au niveau scénario, c'était un peu faiblard, j'ai pas accroché, c'était un peu long à mon goût. Et bon, j'admets que ça reste un des meilleurs films hein, de 2022 de loin. Hein. C'est pour ça qu'il est dans mon top 5. J'ai quand même passé un super moment. Mais pour moi, ça c'est pas le numéro 1, quoi. Voilà, il est excellent, c'est un très bon film, mais le scénario. Voilà, il aurait gagné 2-3 places si le scénario était un peu mieux. Toujours est-il que ça reste vraiment un film époustouflant à regarder. Et clairement, pour le côté technique et le côté avancée technologique, je pouvais que le mettre dans mon top 5 de l'année 2022. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Des parias, c'est tout ce qu'ils voient. Je te vois. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. C'est ici notre maison.
J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Numéro 3, un film de super-héros, DC Comics, The Batman, avec Robert Pattinson. Alors qu'au départ, je n'étais pas du tout convaincu par Robert Pattinson, Twilight et compagnie. Moi, je le voyais plus dans ce style-là. Et honnêtement, il campe super bien le personnage de Batman. C'est très sombre, la réal est super, la direction artistique est folle, la musique... les tons ocre, rouge, toujours dans la nuit, sous la pluie, avec les apparitions de Batman qui sont toujours un peu iconiques, le son qui est percutant, la musique qui est vraiment au top dans ce film. Et puis au cinéma, du grand cinéma, du grand Batman, franchement, je sais pas si ça égalerait les films de Christopher Nolan, mais on n'est pas loin. Avec un film qui est plus sur une enquête, basé sur une enquête, vraiment en mode détective, plus que sur un mode super-héros. Mais franchement, c'est dans le haut du panier, c'est pour moi dans le top 3 des films de 2022. The Batman a toute sa place dans ce top. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. En deuxième position, un film Marvel. Franchement, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, le grand Sam Raimi, film d'horreur, donc les Evil Dead et puis surtout la trilogie des Spider-Man. Franchement, ce film-là, pour une fois, Disney a laissé un peu les mains libres au réalisateur. Le film est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Un très grand Marvel pour l'année 2022. On n'a pas été gâté en Marvel cette année-là, mais là, celui-là, franchement, au top. Benedict Cumberbatch, toujours génial en Doctor Strange. Effets spéciaux, pareil, au top niveau. Et franchement, l'histoire hyper intéressante. Et pour moi, largement le top 2 pour 2022. En deuxième position, ce Doctor Strange, ça envoyait vraiment du lourd. Et j'ai vraiment kiffé le voir au cinéma. Je suis navré, Steven. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention ! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal.
Et enfin, mon film numéro 1 de 2022, Top Gun Maverick. Alors, j'adore Tom Cruise, c'est un de mes acteurs préférés, parce que vu les cascades qu'il fait, c'est un barjo ce mec-là, mais ses films, Mission Impossible, tout ça, c'est un truc de dingue, ces films, les films qu'il fait. Top Gun, j'en attendais rien, honnêtement, c'était un film qui était prévu pour 2020, il a été repoussé pendant 2 ans également à cause du Covid. Tom Cruise a pu peaufiner son film. Je suis pas du tout fan du premier Top Gun, je l'ai revu à l'occasion, mais je suis pas du tout fan de ce film-là. Mais là, la claque que j'ai pris au cinéma quand j'ai vu ce film-là, la réalisation, les cascades qu'il fait, voilà, l'histoire est banale, ça reste une histoire classique, mais alors la prouesse technique du film en plan réel, quoi, où il conduit les avions de chasse, où il pilote les avions de chasse, pardon. Enfin, franchement, Tom Cruise, voilà, il méritait amplement cette première place. C'est un film vraiment où on prend son pied, le son est mortel, la musique iconique, et franchement, voilà, il mérite, pour moi en tout cas, d'être en top 1 de ma sélection. Et si vous n'avez pas vu ce film, mais foncez le voir, quoi. C'est une tuerie, quoi. On va au combat, un combat qu'aucun pilote vivant n'a encore connu. Même pas lui. Si tu penses là-haut, t'es mort. Tu peux me croire. Mon père croyait en toi. J'ai pas l'intention de faire la même erreur. Certains ne reviendront pas de cette mission. Ce sont tes pilotes. S'il devait leur arriver quelque chose... Michel en l'air, il y en a un autre. T'arriverais jamais à te le pardonner. On ne peut plus reculer maintenant. Allez! Merde! Le combat commence! Donc voilà, c'était mon top 5 donc des blockbusters, des films que j'ai adoré voir au cinéma l'année dernière, en 2022. Et donc là, on va passer également, comme je vous ai dit en début de vidéo, aux films qui sont sortis sur différentes plateformes, mais notamment aussi au cinéma, et d'excellents films à voir. Et donc, on commence par le cinéma et 3 films français qui m'ont vraiment marqué l'année dernière. On a Novembre, qui retrace les quelques heures juste après les attentats qui se sont passés en France. Ensuite, on a également La Nuit du 12, film policier, aussi sur une enquête qui n'a jamais été résolue sur un meurtre. C'est un film excellent. Et on a également le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, donc à Paris. Ça retrace les quelques heures avant l'embrasement de la cathédrale. Et c'est un film, pareil, vraiment excellent, quoi. Ensuite, en termes de blockbuster américain, film de super-héros, on a bien évidemment Thor Love and Thunder, que beaucoup de gens ont boudé, mais que moi, j'ai pris plaisir à le regarder, même si j'avoue que Taika Waititi a un peu rabaissé le personnage de Thor. Ça reste quand même, pour moi, un bon film popcorn à voir au cinéma. Donc là, l'année dernière. On a également Black Panther Wakanda Forever, film que j'ai moins aimé. Voilà, on voit qu'il est un peu décousu après la mort de l'acteur Chadwick Boseman, et on voit que le film a été refait et j'ai pas forcément, c'est pas mon Marvel préféré, quoi. Et puis on a Black Adam, donc boudé par les spectateurs. Enfin, il y a quand même eu des millions de dollars de recettes, hein. C'est pas non plus rien, mais pas assez pour la Warner, qui reboote tout. Je vous inviterai encore une fois à aller voir ma vidéo sur Henry Cavill et sur son éviction du DC Universe. Et puis, ce film-là, moi, j'ai bien apprécié, pose un peu son cerveau, et très bon film popcorn aussi à voir au cinéma, quoi. Donc ensuite, on a le biopic de Elvis, sur la vie d'Elvis Presley, avec Tom Hanks, notamment.
Très bon film aussi sur ce biopic-là, enfin sur la vie d'Elvis Presley. C'est vraiment hyper intéressant à voir. L'acteur joue très très bien le rôle d'Elvis Presley, un peu comme à l'époque le film sur Claude François. Franchement, c'est un très bon film à voir. Et il y a également le film The Northman, donc sur un viking, un peu à la, comment on va dire, comme la série Viking avec Ragnar Lothbrok. Très bon film sur, sur la vie viking également et sur les attaques vikings de l'époque. Franchement, c'est un super film à voir. Donc, si vous ne les avez pas encore vus, ces deux films-là, foncez les voir, vous avez passé un bon moment. Donc après, on a deux films un peu atypiques. 3000 ans à t'attendre, de George Miller, donc le papa des Mad Max. Un film sur une femme qui rencontre un génie qui lui propose d'exaucer des vœux, mais elle sait très bien que les vœux finissent très mal généralement et... le génie lui raconte son histoire et il finit par faire un vœu un peu particulier. C'est vraiment super intéressant et ça sort des sentiers battus de ce que, ce que George Miller a l'habitude de faire. Donc un film excellent. Et Everything Everywhere All At Once avec Michelle Yeoh dans le rôle principal où elle explore un peu le multivers. Donc elle a plusieurs elle-même en fait dans le multivers et elle va explorer toutes ces parties-là pour... sauver le monde et principalement sa famille. Enfin, c'est un peu particulier, mais c'est un super film à voir aussi. Donc, deux films atypiques, mais très intéressants. Donc, ensuite, on a deux thrillers. Un thriller coréen de Park Chan-wook, Decision to Live. Donc, sur une enquête policière sur un meurtre. Et en fait, le détective va soupçonner la femme donc, du défunt et va commencer un peu à tomber amoureux d'elle. Et donc, ça va le perturber dans son enquête. C'est un très bon film coréen. Et puis le deuxième film, c'est Asbestas, un film franco-espagnol, une histoire d'un couple français qui vit en Espagne, dans la campagne, et commencer à avoir des problèmes avec leurs voisins, leur voisinage, et ça va commencer à monter en tension, et c'est hyper palpable dans le film, c'est super bon film à voir. Donc deux films, voilà, on va dire un peu étrangers, qui sortent du lot et qui sont vraiment de très bons films à voir de l'année dernière, et que je vous invite tout de suite à aller visionner, quoi. Ensuite, en film Pixar qui est sorti donc au cinéma, on a Buzz l'éclair. C'est un des rares films qui est resté à sortir au cinéma. C'est pas le meilleur Pixar, même si Buzz l'éclair, c'était vraiment le film qui aurait pu tout cartonner. C'est pas, pour moi, c'est pas celui qui m'a fait le plus vibrer. Il y en a d'autres, mais ça reste quand même un très bon film de 2022 à voir. Et puis ensuite, si vous êtes fan de films d'horreur, comme moi, j'adore les films d'horreur. Les films de slasher, les films d'épouvante. Vous avez Nope de Jordan Peele. Excellent film, plutôt voilà, d'épouvante, pas trop horreur, mais épouvante. Et vous avez par contre un slasher de Ty West, X. Je vous invite à aller voir les films de Ty West si vous aimez les slashers. Film typique, pardon, des films un peu des années 70. D'ailleurs, c'est filmé un peu comme les années 70, etc. Hyper hard, du sexe, du sang, des meurtres, du slasher, enfin vous avez tout. Très bon film d'horreur à voir, ce film de Ty West, X. Je vous invite également à aller le voir, quoi. Donc après le cinéma, on a la plateforme Netflix qui nous a sorti deux très bons films. À l'Ouest, rien de nouveau, un film allemand sur la guerre 14-18 et la vision du côté des Allemands et non cette fois des Français. Donc on voit les soldats allemands qui sont envoyés au front pour être de la chair à canon. Et voilà, on voit vraiment que le côté allemand. Et c'est très intéressant comme point de vue qu'a adopté le réalisateur de ce point de vue-là. Et on a le film de Romain Gavras, Athéna. Alors au niveau de l'histoire, j'ai un peu moins aimé. L'histoire du soulèvement d'une cité suite à une bavure potentielle de policiers. Donc dans une cité... de la région parisienne. Par contre, j'ai adoré comment c'est filmé. C'est filmé comme une tragédie, il y a des attaques, il y a des plans de caméra et des images qui sont splendides dans ce film. Alors même si on accroche moins l'histoire, enfin de ma part en tout cas, au niveau réalisation, c'est au top du top. Franchement, la réalisation de ce film, elle est folle. Et des plans séquences de malade, enfin, j'ai vraiment adoré la réalisation de ce film, c'était vraiment au top, quoi. Sur la plateforme Disney+, on a deux bons films qui sont sortis. On a Alerte Rouge, un dessin animé sur une jeune fille qui se transforme en panda roux
et qui va galérer, et ses parents vont être là pour essayer de contrôler ce pouvoir qu'elle a. Et ça va un peu dégénérer, mais c'est un très très bon film à voir en famille. Et puis la deuxième surprise, c'était Prey. La licence Predator, une licence que j'adore, alors surtout le 1, le 2, pourquoi pas, mais surtout le 1, avec Schwarzy, c'est le top du top. Le 1, le 2, et puis avec Danny Glover, et le Alien vs Predator, que j'ai pas trop mal aimé. Tous les autres, ça va mettre à la poubelle. Mais le Prey, franchement, bonne surprise, retour aux sources, le Predator qui vient s'attaquer à un peuple indien, et il y a une jeune fille donc de la tribu qui va se défendre et qui va le chasser. Franchement, excellent film sur cette plateforme-là, Disney+. Et une bonne surprise de l'année 2022 que ce film Prey, quoi. Et puis pour conclure, sur donc Amazon Prime Video, on a le film de Ron Howard, 13 vies, qui relate en fait, c'est une histoire vraie, qui relate en gros le sauvetage de jeunes Thaïlandais footballeurs qui sont restés bloqués dans une caverne suite à des intempéries. Et ça relate tout le sauvetage qui a été organisé autour de tout ça pour sauver ces jeunes Thaïlandais. Excellent film à voir. Donc franchement, c'est pour la plateforme Amazon où j'ai pas trop l'habitude d'aller, c'est pas là où je trouve qu'il y a les meilleurs films. Franchement, ce film sort du lot, c'est vraiment un très très bon film. Voilà les geeks, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi en commentaire, vous, quel film vous avez préféré l'année 2022, que ce soit des blockbusters au cinéma ou les films sur différentes plateformes. Je serais ravi d'en discuter avec vous. Pensez à vous abonner aussi, parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vois qu'il y a parfois 4000, 5000 personnes qui viennent voir certaines de mes vidéos. J'ai pas mal de vues sur certaines vidéos, mais l'abonnement ne suit pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour être notifié des vidéos à venir. Comme ça, vous manquez rien. Vous lâchez votre plus beau pouce en l'air, ça aide concrètement la chaîne, vraiment, ça aide la chaîne à être référencée sur YouTube, et ça m'aide beaucoup à avancer. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les geeks. Ciao, ciao.